Cette foule que vous voyez n'est pas venue assister à un meeting, non plus soutenir une équipe de football, mais plutôt, c'est un accident de circulation qui s'est produit ce mercredi 10 octobre 2018 sur l'avenue Marine à Binzaupen, dans la commune de Ngaliema. Un engin de l'entreprise chinoise, approprié pour le travaux d'asphaltage et d'aplanissement d'une partie de la voirie située sur l'avenue Révolution et Kinshasa, toujours dans ce même coin. Cet engin n'avait plus de frein et a fini sa course en tamponnant un couple dans une Mercedes et les a emmenés jusqu'au caniveau. Le mari blessé et a réussi à s'échapper en sautant par la fenêtre, mais hélas, la femme n'a pas réussi cet exercice et elle a été sortie de là par le jeune. Le témoin de l'événement, très en colère, explique. Le dossier n'a boulot moro awa. Tout n'a bimiga boué pour n'a somme à moi l'or on a mela. Mais toi écoute, un ambiscade au carabin chinois et si les freins. Ezo kitana rapidité et coïncide écoute nina moutouka ya papa a outi nan da kwa zo kene moussala na moua si na ye. Chance papa zara ki prudent fongo li porteur a kim il est en moua si a luka bima se défendre. Il sied de signaler que, avant qu'une voiture ou un engin sorte sur la voie publique, ils doivent passer un contrôle technique pour éviter ces pareils accidents.